tapis, on sait ce que ça veut dire. C'est pour ça que le tapis chambre d'ailleurs. C'est possible, hein, nous ça nous a attiré. Elle ne montera pas en hauteur. Celles qui n'ont pas le bâton, elles n'ont pas 15 ans. Mais là, on voit que les bêtes, vu que c'est un peu la sécheresse, elles ont mangé les fleurs. Touchez votre poids, mais on va essayer de ne pas faire trop de tranchées, quoi. Ah, c'est la racine qui sert à ça. Enfin, faut pas avoir technique, faut être juste un peu robuste, un peu sauvage comme la gentiane. Mais on va y arriver. Je vais vous montrer à la dame. Pensez à votre mari qui vous énerve, qui vous prend la télécommande le soir. Non, jamais. Jamais? Non, non. Oh, pensez à lui, quand il vous énerve un peu, qu'est-ce que vous lui ferez? Allez-y, oui. Tout le poids derrière. Voilà. Voilà, comme ça. C'est une grande émotion parce que c'est la première fois et donc c'est sympa, c'est très... mais c'est dur quand même, c'est très costaud quand même. Très costaud. Ah, il y a une pierre. Ah, la bonne pierre. Alors il faut que tu enfonces là, avec le pied, vas-y. Il faut bien planter, ensuite il faut travailler la terre pour ne pas casser la racine dessous. Et ensuite, une fois qu'on a arraché, il faut bien remettre la motte dessus pour préserver le package. Un, deux... Oh, trois! Pour arriver jusqu'à la finalité de l'objectif de cette racine, c'est sûr que c'est du boulot. Du courage à tous les gentianaires, parce que c'est un sacré travail quand même de faire ça. Attends, hop, attention, c'est lourd.